Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, je m'appelle Wilfried et aujourd'hui on va faire ensemble des samoussas. Pour cette recette, il vous faudra 2 œufs, 1 courgette coupée en tout petits dés, ne pas enlever la peau, 1 demi-oignon émincé, 6 chipolatas vidées, en fait on va les faire cuire et les mélanger avec tout le reste, ainsi que des feuilles de brique. Vous les achetez en grande surface, pas très cher. Alors, première étape, en fait, vous allez mettre les oignons dans la poêle avec un peu de beurre et vous allez les faire revenir. Deuxième étape, dès que les oignons commencent à roussir, en fait, vous pouvez rajouter les courgettes. Donc il faut laisser les courgettes bien cuire dans la poêle et pendant ce temps-là, en fait, vous allez pouvoir dans une seconde poêle mettre les chipolatas en fait à cuire. Alors, une fois que les courgettes sont bien revenues et que les chipolatas sont bien cuites, vous allez pouvoir arrêter la cuisson. Et on va passer à la partie mélange. En fait, on va les mixer, donc il vous faut pour cela un mixeur. Si jamais vous n'en avez pas, en fait, il vous suffit tout simplement de l'écraser avec une fourchette. Une fois que vous sortez la viande du feu, en fait, vous la mettez dans votre mixeur et vous la mixez. Ce que je viens de faire à l'instant. J'ai pas fait le mixage devant vous pour vous éviter le bruit. Voilà. On va faire exactement la même opération avec les courgettes. Deuxième partie effectuée, j'ai fait exactement la même chose avec les courgettes, je viens de les mixer. Donc, il ne reste plus qu'à mettre la pâte de courgettes avec la viande et on mélange le tout. Voilà. Pour finir, vous mettrez juste les 2 œufs en fait directement dessus et vous mélangez le tout. Dernière étape, en fait vous allez prendre votre feuille de brique et vous allez la couper en deux, de façon à avoir deux parties comme ceci en fait. Vous allez poser la moitié de la feuille, vous repliez le bord de façon à faire un rectangle. Ensuite vous prenez la préparation et vous en mettez un petit peu dedans. Puis vous allez plier en forme de triangle une fois, deux fois, hop, trois fois, quatre fois et cinq fois. Voilà, nous avons une brique de fête. Il ne reste plus qu'à faire en fait la même chose avec tout le reste. Dernière étape, vous allez mettre un peu d'huile en fait au fond d'une poêle et là vous allez faire revenir vos samoussas.